Tu as exercé pendant combien de temps ton métier? Quinzaine d'années jusqu'à maintenant. Tu m'as parlé d'un cas assez intéressant, sans nommer la personne, sans même nommer le lieu, juste le pays, Oui, au Canada. Canada. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que tu as pu entendre ou comprendre qui parle? C'était une personne dans un cadre de supervision. C'était une personne qui venait de sortir d'une secte sataniste. C'est la première fois que j'étais en contact avec ça. Et ce qu'elle nous a raconté, c'était assez atroce. Je ne pensais pas que ça existait proche de chez moi, comme ça, là. C'est-à-dire. C'est-à-dire, ça faisait partie elle disait qu'elle faisait partie d'une famille, que ça faisait des générations qui pratiquaient des cultes satanistes. Et elle avait été, depuis qu'elle était petite, elle avait été, comme, je sais pas si on peut dire, dressée ou éduquée, hypnotisée à travailler comme une espèce de prêtresse, comme un autel pour les cérémonies de magie noire. Qui faisait ça, des gens importants du lieu? Elle disait que c'était des gens importants. Mais ça, c'est de la façon qu'elle parlait, comme à chaque fois qu'elle travaillait comme ça, elle était comme sous hypnose. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on travaillait avec. Ce qu'elle disait, c'est elle dit, moi, bon, j'ai vu des personnages qui sont importants, mais savoir si c'est vraiment ça ou si ça lui était suggéré, c'est ça qui était un peu difficile à savoir. Mais c'était des rituels très. En tout cas, moi, je qualifierais de très violent, de très. Pour quelqu'un qui est la première fois qui entend ça, déstabilisant. Donc toi, en tant que thérapeute, tu as été déstabilisé par cette Ah, tout à fait, découverte? tout à fait. D'ailleurs, c'est quelqu'un après ça qui s'en est occupé, qui est un spécialiste des personnes qui sortent des sectes. Non, c'était quelqu'un de. Ouais, c'était très déstabilisant. Ouais. Et quel genre de détails t'a-t-elle donné qui t'a justement déstabilisé? Ben, le fait qu'elle servait d'autel, puis qu'il y avait tout le temps comme une certaine magie sexuelle autour de ça, puis qu'il y avait eu des sacrifices d'enfants sur elle, et ben, je pense que ça suffit à déstabiliser quelqu'un. Des sacrifices d'enfants de quel âge? Oh, des jeunes enfants, très jeunes. Je peux pas te dire plus là. Des bébés aussi? Oui, des bébés, c'est ça surtout. Ouais. Et quelle était, c'est ça qui était le plus atroce pour moi dans ce que j'ai compris de ce qu'elle disait, c'était que elle était l'autel où les sacrifices se faisaient. Elle était la plateforme sur Ouais, laquelle s'effectuaient les ouais. sacrifices. Et ces bébés qu'il sacrifiait, est-ce qu'elle t'a dit comment il les obtenait? Non. Non, mais après ça, quand tu penses à toutes les disparitions d'enfants qu'il y a un peu partout. Non, je peux pas dire. Ouais. Disons qu'on a vu ça sur l'internet, on voit ça, on entend parler de ce genre de choses, mais on a tendance à penser que c'est un peu. On se demande si ces gens-là ne sont pas des uluberlus. En revanche, bah, je t'ai rencontré à Vilcabamba, tu es un professionnel, tu as exercé ton métier pendant longtemps et tu me parles de ça, ça fait qu'on se pose des questions. Ah ben oui, puis ça a toujours été un peu au départ. Est-ce que cette personne-là est en train de complètement fabuler Ouais. ou est-ce que c'est vrai? Ouais. Mais après ça, on s'est aperçu que non, elle était très. On peut pas dire envoûtée, je pense que ce serait pas le bon mot, ou ce serait le bon mot, mais. C'était une sorte de mind control, Prisonnière contrôle de la de. pensée. Ouais, prisonnière de tout ça. Et donc vous avez vérifié que ce qu'elle disait était vrai. C'est. Oui. Puis après ça, bon, elle a été travaillée avec une autre personne et. Que ça a l'air que c'était tout vrai, tout vérifiable. Médicalement prouvé que. Oui, puis elle n'était pas du tout schizophrène, pas du tout. C'est une personne saine, mais quand je l'ai rencontrée, c'était une personne très en détresse. C'était vraiment. Puis on pouvait voir qu'elle avait été hypnotisée parce qu'on travaillait justement à la sortir de cette espèce de cercle-là. Et il y avait des choses qu'elle disait qui étaient assez. Tu voyais bien que ça sortait pas comme ça ça Ouais. sortait pas de rien du tout. Est-ce qu'elle a donné des chiffres sur le nombre de gens qui sont
Là, je me rappelle plus. Je peux te dire qu'il devait y avoir des fois dans les cérémonies peut-être 15-20 personnes, des fois il y en avait moins. La C'était très des fréquence. familles, hein. C'était des familles. Et autour de ces familles-là, il y avait d'autres personnes qui gravitaient, qui pouvaient être plus ou moins des personnes importantes. Et pourquoi ces familles? Est-ce qu'il y avait un côté génétique qui Oui, était important? c'est des familles, ça fait des générations qui sont comme ça. Mmh. Donc les enfants, les parents élèvent leurs enfants comme ça et ça se suit comme ça. Mmh. Il n'y a pas tellement de tendresse là-dedans, là. Et est-ce qu'il arrivait qu'ils sacrifiaient un de leurs enfants? Ça, je peux pas te dire. Je sais pas ça. Ben déjà, je trouve que elle, c'est comme un sacrifice aussi, là, parce que rendre quelqu'un comme ça, puis lui faire vivre ça, c'est assez démoniaque, disons, là. Et la fréquence de ces rites? Je peux pas te dire. Ça fait longtemps, là, t'as un peu. Non, ça arrivait assez régulièrement. Et ça commençait par un téléphone. Puis là, je pense que la voix de la personne la faisait rentrer en transe. Et après ça, elle était disponible à faire ce qu'elle devait faire. Est-ce qu'on peut se sortir de quelque chose de pareil, d'un traumatisme pareil? Oui, je pense que oui. Ben, elle, oui, je pense que ça en est sorti quand même. Mais c'est beaucoup de travail. Puis il faut que tu aies. Que la personne qui fasse, elle soit supportée par d'autres, parce qu'il y a des détails qui sont assez violents, qui fait que, oui, et puis ça prend quelqu'un qui sache exactement le mécanisme de l'hypnose, comment ça marche, tout ça, qui peut un peu décoder ça et désamorcer le processus. Mais tu vois, mettons, je l'ai vu deux, trois fois, et à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc elle s'apercevait de. Quand on dirait qu'il y a eu le choc des personnalités à l'intérieur d'elle qui se rencontraient, là. C'est assez intense. Assez intense pour me déstabiliser puis me dire oh non, non, c'est pas. Il y a des gens plus qualifiés pour ça. C'est vraiment une qualification spéciale de travailler avec des gens qui sortent des sectes, là, qui ont été hypnotisés et travaillés comme ça, là. Et est-ce que avant ce cas particulier, si tu entendais parler de rites sataniques, tu y croyais ou tu pensais que Ben, c'était de disons, la on foutaise? y croit, mais on pense pas que c'est proche de chez toi. Parce que c'est quand tu t'aperçois que c'est proche de chez toi que ça a été comme assez traumatisant. Puis je me rappelle qu'on était en supervision, on était 3-4 personnes, et les 3-4 personnes, quand ça s'est venu, les 3-4 personnes, on a été quand même traumatisés de ça, de savoir que c'était proche de chez nous, que c'était aussi violent que ça, puis qu'il y avait des gens que tu pouvais peut-être côtoyer qui faisaient des cérémonies comme ça. Je ne pouvais même pas savoir qui c'était, là. Non, c'était assez intense. C'est pas quelque chose que, en tout cas, qui était agréable à travailler, ni à côtoyer. Une énergie vraiment noire, là.